Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Mario vs Donkey Kong. Donc on est sur la démo. Le jeu il est sorti le 16 il me semble. Alors je ne l'ai pas acheté. Mais là du coup comme il n'y a rien qui m'intéresse vraiment cette semaine, bah, je me suis dit il y a une démo sur le eShop. Bah, on va se faire une petite vidéo sur la démo. On va découvrir ça ensemble. Donc on peut jouer à deux mais là je suis tout seul. C'est quoi ? Si vous voulez une expérience plutôt détendue, ou oh, on va mettre ça pour la vidéo. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Et puis, si vraiment c'est trop facile, on changera de mode. Ça y est, c'est fait avoir par le marketing. Ah, ça va, lui, il a le magasin qui les vend et l'usine qui les fabrique juste à côté de chez lui. Il est bien. Hein. Alors, vous m'excusez, je l'ai un peu pris. Comme d'habitude, de toute façon, cette période. Hein. Alors, bon, en bas, on se déplace. On a une touche pour sauter, une touche pour prendre, visiblement. On peut dézoomer un petit peu. Ouais. Et bah, c'est parti. Et donc, bah voilà, le. Je pense que vous comprenez rapidement. Le but du jeu. Moi j'ai pas pris tous les trucs. Ouais, vous voyez, j'ai qu'un cadeau sur deux. Ah, on peut leur balancer, ok. Ok. Donc on peut même soulever les ennemis. Ouais, sinon j'aurais pu le soulever lui directement. Bon, évidemment pour l'instant c'est facile, c'est normal. Bon, on a que deux cadeaux sur trois. Parce que j'étais pas parti dans l'idée de... qu'il fallait que je récupère tout d'un coup. Et je pensais que même après avoir pris la clé, je pourrais passer et récupérer. Ok. Bon, bah, on va aller là. Je pensais que même en ayant récupéré la clé, je pourrais passer devant la porte et aller chercher le troisième cadeau. Mais non, visiblement, quand on a la clé dans les mains, c'est mort. Là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ok. Ah ouais, faut laisser charger un peu. Ok. Ouh là là. Ouais. Faut s'habituer au saut en fait, parce que ça fait pas comme dans les... Ça fait pas comme dans les jeux de plateforme habituels. Là, il y a une sorte de latence un peu dans les sauts. Oh merde! On peut tomber pile entre les deux poubelles, putain. Ça, c'est pas de bol. Vous voyez, faut bien viser. Hein. Ouh là là. Ouh là là. On a des points de vie là-haut. J'avais pas vu. Ça
sauter forcé et qu'il y ait quelque chose à récupérer par là. Hein. Oh merde. J'ai fait l'idiot là. Voilà, on a chopé un jouet. Là, c'était visiblement l'objectif, c'était de choper le jouet. Regarde, il m'en manque toujours, hein. Tu peux faire attention. Je pense que c'est les trois niveaux qu'on a pour la démo, hein, j'imagine. C'est pour ça qu'on n'a pas le 2, le 4 et le 6, là. C'est pas grave, ça permettra de comprendre le concept. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse démo pour. Ouais. Chercher le cadeau. On va refaire le tour. Ouais, il faut que je rallume les trucs rouges. Hop. Et voilà. On va regarder à chaque fois. Ok. C'est toujours pour nous dire ça. On va aller chercher des musiques sont sympas. Aussi. Bon après. Hein. Ça, est-ce qu'on est vraiment surpris de ce genre de. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'on est vraiment surpris de ce genre de choses? Dans un jeu Nintendo. Ah, on peut faire ça. On a plusieurs sauts. Ça, on l'avait aussi dans Smash Bros. Voilà. On a réussi, on a tout récupéré. Ah, normalement, j'ai rien raté là. On est d'accord. Parfait. Alors, donc, on débloque autre chose. Ok, on va aller voir ça. Puis, bah, je pense qu'après, on s'arrêtera là parce qu'à mon avis, la démo sera terminée. Et j'ai regardé au mois de mars, c'est pareil, il y a quelques sorties, mais pas. Je crois que c'est pas début mars, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être faire des vidéos avec. Avec Ewen, ou je ne sais pas. Je peux faire quelque chose avec eux? Non. Dans les blocs lettres. Allez par là. Ah, on peut faire des drogues de fou en fait. Ah, attendez. En faisant ça. Allez, les gars. Ils sont où les autres?
Ah, où est-ce qu'ils sont bloqués, c'est con. Et Mario ! Merde. Peut-être qu'ils ont pas eu le temps de suivre. Allez, faut avancer. On est rigolo. Et voilà. On a eu tout le monde cette fois. Ouais, je crois que j'aurais pu finir le niveau sans tous les avoir en fait là aussi, mais bon. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais. Voilà, la démo est terminée. Au mois de mars, il y aura le Princess Peach. Je vous ferai House Flipper 2 parce que vous allez vous foutre de ma gueule, mais le premier House Flipper, il y a une l'année où il est sorti, ça a été mon jeu de l'année sur PC. J'y ai passé l'été. Je n'ai joué qu'à ça pendant presque 2 mois. C'était une période où il n'y avait pas beaucoup de sorties et tout, et j'avais même acheté le DLC pour passer la tondeuse, faire les jardins, tout ça. Ma femme se foutait de ma gueule. Parce que je passais la tondeuse dans un jeu, en fait. Et donc il y a le 2 qui va arriver et qui est déjà sorti sur PC, et il y a une version console qui arrive. Et alors vous allez doublement vous foutre de ma gueule, parce que non seulement on va voir ce que donne la version console, mais en plus on va faire un unboxing, parce que je vais recevoir la version collector. Enfin je vais recevoir, j'ai acheté, hein, on me l'envoie pas. J'ai acheté la version collector de House Flipper 2. Sur Xbox Series X. Donc on fera l'unboxing et puis on regardera comment tourne la version console et à quoi elle ressemble. Ça, ce sera fin mars, début avril, parce que il sort fin mars, je crois, et c'est marqué sur la livraison que le collector, je l'aurai début avril. Donc je pense qu'il y a un peu de retard, je ne sais pas pourquoi. Donc on fera ça début avril. Mais fin mars, il y aura Princess Peach, il y aura 2-3 petits trucs. Par contre, début mars, j'avoue, je sais pas trop. Faut que je regarde, mais je me souviens plus trop, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Donc écoutez, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.